Salut, c'est moi. T'es pas encore mort, j'espère. Écoute, j'ai écrit 2-3 trucs sur le poison vert pour le club de comédie et je voulais que tu me dises ce que t'en penses. Ah voilà, je commence comme ça. J'ai reçu une éducation catholique. C'est pas trop mon truc, mais on change pas d'équipe en plein match, pas vrai? Sauf que maintenant, avec tout ce qui se passe, je me dis que je devrais peut-être lui donner sa chance à ce type-là, Dieu. Mais attention, hein, sans engagement. Vous savez, un peu comme un forfait téléphonique. Et si jamais il y a un autre opérateur qui se lance sur le marché, bah, je prends celui qui coûte le moins cher. Voilà. C'est pas mortel, franchement. Bon, rappelle-moi pour me dire. Enfin, si t'es pas morte.
cette zone est sûre. Plus personne jette de la nourriture. Ça va pas ? Merci infiniment. Je prierai pour vous. Tous les jours. Sans vous, on serait tous morts. J'espère qu'ils réfléchiront à tout. De la JTR. Attention, force hostile en approche.
94, on était censé recevoir de l'argent de la ville pour réparer les rues. Sauf que l'argent a disparu, et que deux semaines plus tard, le maire pétait les cieux de sa limousine sur un de nos plus beaux nids de poule. Ah, au fait, un de nos chargements de ravitaillement avait disparu, mais les gars d'O'Reilly semblent l'avoir retrouvé. Par contre, ils ont du mal à le ramener jusqu'ici. Tu crois que tu pourrais passer chez moi vite fait? J'ai des trucs à faire. Et tu en rentrant à l'appart, il y avait un mec qui fouillait dans ma chambre. Alors je lui ai donné un coup derrière la tête et là, il est attaché dans ma baignoire. Attends, c'est vrai? Je sais pas quoi faire, mec. Il a vu mon visage. Il sait où j'habite. Ok, ok, j'arrive. Attention, élément hostile en approche. Tu as vu ce qui se passe? Ouais. Tu crois que...
bientôt se sentir mieux grâce à vous. Pas faire moins cher que ça. Vous êtes un exemple pour nous tous. Vous me sauvez la vie. Enfin... Oui ? Donne-moi ça ! Va chier ! Merde, c'était quoi ça ? On va les défoncer!
présence ennemie détectée. Ok les gars, j'ai une nouvelle mission pour vous aujourd'hui. Martinez ? Oui, monsieur. Toi et tes gars, vous allez du côté des Hudson Yards. Prenez un camion citerne, Kozinski a trouvé un bidonville et vous en aurez peut-être besoin pour contrôler la foule. Et que personne s'échappe. Rogan ? Ouais. Il y a un immeuble résidentiel à Hell's Kitchen pour toi et tes gars. Il est grand, alors assure-toi de bloquer toutes les issues. Faut que personne puisse sortir. On vous a préparé un camion aussi, mais pas de folie, d'accord ?
Tu veux pas qu'on vienne me dire que vous avez foutu le quartier à feu et à sang? Ça marche. Les autres, vous maintenez les patrouilles habituelles. On n'est pas à l'abri d'une surprise, même si hier vous avez éliminé les menaces potentielles. Allez, au boulot! Contente d'être avec vous.